Thank you.
un remède pour les tuer. Le remède les tue, mais les trous ne sont pas bouchés. Le médicament tue le microbe, mais le médicament ne peut pas restaurer ce que le microbe a tué. Il faut que Dieu intervienne. Oui, il faut que Dieu intervienne. Et la grâce que nous avons, c'est de croire. Pendant que les hommes mettent leur foi dans le médicament, nous nous mettons notre foi en Dieu. Nous prenons le médicament comme eux, mais nous avons la foi en Dieu. Que Dieu soit loué pour cela et qu'il se souvienne de Noé, nous prierons encore pour lui. Nous avons aussi notre frère Luigi qui est absent aujourd'hui. Il m'a dit qu'il nous avait reçu la visite ce week-end. Il ne sera pas parmi nous. Il a demandé de saluer l'Assemblée. Notre frère Dave aussi, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour lui, comme il a dit jeudi dans la prière. Le Seigneur a accordé à notre frère Dave de pouvoir obtenir son diplôme, sa licence pendant cette semaine. Que le Seigneur soit loué pour cela et qu'il soit encore avec notre frère pour la suite, alors qu'il aimerait continuer en master. Que Dieu bénisse Naomi de Berlin qui est parmi nous aujourd'hui. Nous lui souhaitons les riches bénédictions de Dieu et que le Seigneur soit avec elle pour son séjour qui a été bref à bonne part, parce que je sais que demain déjà elle retournera à Berlin. Que Dieu la garde. Ce sera tout pour les communiquer. Oui, bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, c'est la grâce du Seigneur qui nous rassemble ici aujourd'hui. Et nous voulons le louer pour cela, chantant le numéro 1, avant de prier. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, ses bienfaits dans nos vies sont innombrables. Sont tellement innombrables que même ceux dont nous avons connaissance, nous n'arrivons même pas à les compter. Combien de fois ceux dont nous n'avons même pas connaissance? Amen. Parce qu'il est celui qui combat pour nous, même le combat des ténèbres, dont nous n'avons même pas connaissance lorsque nous dormons. Chantons le numéro 1. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers payé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Alors mon cœur est réglé la nuit.
Prier, recommander ce service à la grâce de Dieu et nous allons nous souvenir du petit Noah dans la prière. Prier que le Seigneur qui a commencé, qu'il puisse achever selon sa promesse, qu'il rétablisse entièrement Noah afin que demain, non seulement lui, mais ainsi notre frère Pierre puisse être parmi nous. Nous nous souviendrons aussi de Michael, que le Seigneur puisse consoler son cœur, consoler celui de toute la famille et recommandons aussi le service entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu de grâce, nous te remercions, toi qui cet après-midi encore a conduit nos pas en ce lieu, afin que Seigneur, avec toi, ô Dieu, par le moyen de ta parole, nous soyons, ô Dieu, encore en communion. Seigneur, nous te disons merci d'avoir pris soin de chacun d'entre nous tout au long de la semaine. Car Seigneur, qui de nous aurait pu être ici si toi tu ne l'avais pas gardé, si tu ne l'avais pas protégé, si tu n'avais pas, ô Dieu, pris soin au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, penser. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour notre présence et pour celle de tous ceux qui, ô Dieu, en ce moment, peuvent être connectés, pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, t'écouter nous parler. Agrée-nous, Seigneur Dieu, dans ta présence. Ne regarde pas à nos faiblesses, ne regarde pas à nos manquements, mais regarde-nous au travers de ton sang, nous t'en supplions. Ô Dieu, pardonne-nous toute faute. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, tout trébuchement. Mais ô Dieu, relève-nous afin que, Père, nous puissions repartir de ce lieu avec un visage serein. Seigneur, je t'en supplie, toi qui connais la détresse, ô Dieu, de ton peuple, toi qui connais, ô Dieu, les situations difficiles, ô Dieu, sois le secours qui ne manque jamais. Nous venons à toi avec Noah, afin que, Seigneur, toi auprès de qui la guérison se trouve, que tu puisses entièrement, Seigneur Dieu, le guérir, le relever, Seigneur, et que demain nous puissions le voir déjà ici parmi nous, bien portant, Seigneur, avec notre bien-aimé frère Pierre. Que ta grâce, Seigneur, se repose sur lui, honore la foi de ses parents, Seigneur, et écoute la prière de tes enfants, qui, ô Dieu, d'un commun accord, élève la voix vers toi. Je te prie, Seigneur, de consoler Michael. Ô Dieu, après, ô Dieu, avoir décidé de reprendre sa maman. Seigneur, tu es celui auprès de qui nous avons la véritable consolation. Tu l'as fait pour notre frère, Seigneur de Jean-Marc. Seigneur, tu peux encore le faire pour Michael, comme tu le fais pour chacun de tes enfants. Nous te le recommandons, Seigneur. Fais-lui grâce. Fais-nous grâce, ô Dieu, à nous tous qui sommes ici rassemblés. Bénis, Seigneur Dieu, au-delà de ce que nous pouvons, ô Dieu, te demander. Que nos cœurs soient, ô Dieu, bien disposés. Que tu ouvres notre intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les Écritures. Et que tu nous révèles, Seigneur Dieu, quelle est ta volonté en ce temps. Conduis-nous, Seigneur Dieu, en toutes choses. Et qu'à la fin, Seigneur, nous te soyons agréables pour être reçus, Seigneur Dieu, dans la gloire. À toi l'honneur, à toi la magnificence. Dans le nom merveilleux de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Viens vous asseoir. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans un week-end particulier où déjà demain, le monde chrétien célébrera la Pâque. Nous voulons remémorer tout ce que le Seigneur a fait pour nous et il les a accomplis selon sa promesse. Amen. Nous sommes reconnaissants pour son plan du salut dans lequel il a inclus chacun de nous. Nous sommes reconnaissants de ce qu'aujourd'hui nous faisons partie d'un peuple privilégié qui a la connaissance de ce que Dieu fait. Il nous a rendus sages en nous révélant sa parole. Chantons le 171. Nous savons aussi pourquoi il a dû souffrir à la croix. Nous savons pourquoi il a dû passer par là. Lui qui a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Et cela a des retombées qui nous sont aujourd'hui bénéfiques. Chantons le 171, mon souffreur souffrit, mon sauveur souffrit. Mon sauveur souffrit sur la croix, toi. Bye.
Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, notez à la technique la cinquième strophe. C'est une répétition de la quatrième. La cinquième, vous devez la compléter. Du monde, je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés, j'ai le pardon. Ça, c'est le dernier, c'est la dernière strophe. Oui, de mes péchés, j'ai le pardon. Si nous avons compris ce que c'est que le péché et ses conséquences, nous allons nous réjouir si réellement nous avons reçu le pardon. Amen. Et nous allons aimer celui qui nous accorde le pardon. Amen. Si quelqu'un vous donne aujourd'hui 1 million d'euros, son nom aura une signification très importante pour vous. Mais ce que le Seigneur nous donne est au-delà du 1 million d'euros. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de ce beau nom. Ce nom que nous portons. Amen. Oui, parmi les sauvés, j'ai mon rang. Chacun doit avoir la certitude qu'il est sauvé. Mon cœur est lavé dans son sang. Oui, le sang a coulé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau parfait, différent des autres. Mais dans l'Ancien Testament, déjà, on avait des ordonnances et des prescriptions qui étaient l'ombre de ce qui devait arriver. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous tenir debout et lire dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. À partir du premier verset. Exode 12, à partir du premier verset. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Verset 12, il est dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Amen. Amen. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise,
car je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée encore ce soir. Et nous te prions, Seigneur, qu'elle nous soit, ô Dieu, bénéfique. Que nous soyons bénis en la lisant et que, Seigneur, tu nous la révèles selon le plan que toi-même tu t'es conçu de toute éternité. Souviens-toi de ton serviteur lorsqu'il se tiendra ici pour parler de ta part. Que, Seigneur, ton esprit le conduise afin que nous soyons bénis et édifiés, Seigneur. Et que, ô Dieu, en repartant de ce lieu, nous puissions, ô Dieu, avoir des visages sereins étendant la joie que tu nous aies parlé. Toi qui connais les besoins, ô Dieu, en repassant les troupes, arrête-toi devant chacun et puisses-tu répondre favorablement à ses attentes. Bénis ton peuple au loin. Fais grâce, Seigneur Dieu, à tous tes enfants. Nous t'avons prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens vous asseoir. Oui, bien-aimés, ici nous avons lu dans Exode l'institution de la Pâque. Remarquez que la Pâque ne concernait pas tout le pays d'Égypte. La Pâque concernait le peuple de Dieu qui était étranger au pays d'Égypte. Ça concernait uniquement le peuple juif. C'est pour cela que uniquement les Juifs ont reçu cette ordonnance. Le pays n'était pas peuplé uniquement de Juifs. Les Égyptiens vaquaient à leurs occupations, n'avaient pas connaissance de ce que Dieu était en train de faire. Et à la fin, il y a eu des grands cris, il y a eu une grande détresse. Cela est encore le cas aujourd'hui sur la terre. Dieu a un peuple qui lui appartient, avec qui il a conclu une alliance. Et nous avons écouté récemment, l'Esprit disait, ce n'est qu'au peuple avec qui Dieu a fait une alliance qu'il demande des comptes. Nous devons être attentifs à ce que Dieu dit et nous devons obéir à ce qu'il nous donne comme ordonnance. Le sang vous servira de signe. Vous croyez que si quelqu'un s'amusait à ne pas mettre le sang, qu'est-ce qui allait se passer? Ou qui allait prendre la peinture à la place du sang? Qu'est-ce qui allait se passer? Il devait pleurer après, mais ce sera tard. La mort aura frappé. L'obéissance est de mise. Dans ce temps où le Seigneur nous parle, il nous interpelle. Frères et sœurs, si vous suivez les informations, je ne sais pas, cette semaine est une semaine encore particulière. Au Brésil, il a fait 60 degrés de ressenti. 60 degrés. Quand vous écoutez partout, moi j'appelle le pays, tout le temps les gens sont en train de se plaindre. Il fait très chaud. Quand nous écoutons nos frères du Congo, ils se plaignent de la même chaleur. Il fait très chaud. Les catastrophes ne font que s'enchaîner. Mais il y a aussi des choses qui se passent. Si vous suivez tout dans les informations, c'est étonnant. Il y a la guerre à Gaza. Au début de la guerre, les pays arabes, beaucoup se sont levés. Mais quand nous écoutons, dans la diplomatie, la plupart des pays arabes essayent de normaliser leurs relations avec Israël. C'est tellement paradoxal. Eux qui étaient contre l'action d'Israël à Gaza sont en train de chercher à établir des relations diplomatiques avec Israël. Est-ce que bientôt on ne dira pas paix et sûreté sur la terre? Le temps est proche. Le temps est très proche. Que Dieu soit loué pour le diplôme de notre frère. Il a le projet de continuer en master. Il doit continuer. Mais il doit être sobre. Le Seigneur revient. Ceux qui ont le projet de mariage, ils peuvent l'avoir. Le Seigneur revient. Ceux qui ont le projet d'achat de maison ou de déménagement, ils peuvent le faire. Mais le Seigneur revient. Ayons le discernement des choses les plus importantes. Parce qu'on l'a écouté le week-end dernier, tout est vanité et poursuite du vent. Tout passera. Tout passera. Mais qu'est-ce que l'homme qui aura gagné le monde et qui aura perdu son âme, quel est l'intérêt qu'il aura eu? Nous sommes en train de nous préparer pour aller dans la gloire. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Oui. Mais l'interpellation nous a été donnée. Sommes-nous devenus un avec le Seigneur?
Vivons-nous en communion avec le Seigneur? Prenons-nous en considération sa parole? Bien aimé, j'aimerais que nous considérons cette écriture de 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous lisons des écritures, des passages que nous connaissons bien. Il est dit au verset 12, 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Autrefois, le peuple de Dieu, représenté par la nation juive, étranger en Israël, qui avait reçu les ordonnances et la loi, et qui avait une destination, aujourd'hui, c'est notre tour. Que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons libres, quelles que soient nos origines, nous qui avons reçu la grâce de Dieu, nous sommes concernés. Nous formons un seul corps. Nous nous regardons plus selon nos couleurs, selon nos origines, selon nos langues, mais nous nous regardons tous comme étant fils et filles de Dieu. Étant engendrés par la même parole, le même esprit, nous devons être en communion d'abord avec le Seigneur et en communion les uns avec les autres. Le corps est constitué de plusieurs membres. Et on l'a écouté, je crois, ici encore récemment, notre frère disait, dans le corps, Dieu a placé chacun à l'endroit qu'il veut, de manière souveraine. Et on dit que le corps vit en harmonie. La main n'est pas en conflit avec le pied. Le nez ne discute pas avec l'orteil. On a été interpellé que chacun doit être à son poste. Que personne ne soit négligent. Vous voyez, on a commencé avec un peu de retard. Problème de technique. Si nos frères de la technique sont absents, nous autres, je ne sais pas, peut-être que Jean-Marc peut encore un peu s'en sortir, qui va réussir à mettre la réunion en ligne? Pour moi, ce n'est que c'est du chinois. La technique, pour moi, là-bas, c'est du chinois. Donc, chacun est important à la place que Dieu lui donne. Amen. Chacun est important. Et l'absence de chacun se fera toujours remarquer. L'absence de quelqu'un se fera toujours remarquer. Que le Seigneur nous donne de racheter le temps, comme on l'a écouté. Lisons dans Romains chapitre 12. Romains 12, à partir du premier verset. Il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. On nous a demandé de nous conformer en tout point à Christ, pas au monde. Nous devons être identifiés à Christ. On a chanté ce beau nom. Nous aimerions qu'il soit écrit sur notre front. C'est ça, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est que nous voulons refléter la vie et la nature de Christ. C'est de ça qu'il est question. Le discernement des choses est le meilleur. Discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu
c'est que tu sois présent au rassemblement? Ou est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois absent? Nous devons discerner. Qu'est-ce que Dieu veut? Pour atteindre le but, nous devons discerner qu'est-ce que Dieu veut. Et nous allons prier. Parce que les capacités ne viennent que de lui. Qui nous amène à obéir et à marcher dans sa volonté. Amen. Nous ne pourrons pas chacun suivre son chemin et à la fin nous retrouver dans la gloire. Ce n'est pas possible. Le monde a dit tous les chemins mènent à Rome. C'est peut-être vrai. Mais au ciel, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui est la vérité, qui est la lumière, qui nous a franchis de tout ce qui est faux. C'est cette parole-là qui est le chemin. C'est cette parole-là qui nous amène à être engendrés de Dieu. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la connaissance de ce que c'est que le sang, de pourquoi le sacrifice, c'est quoi la Pâque. Ne faisons rien comme le monde. Le monde religieux fait beaucoup de choses. C'est pourquoi le serviteur fidèle plan dit toujours, il y a des gens qui ont un chemin à côté de celui de Dieu. C'est-à-dire, ils suivent un programme à côté de celui de Dieu. Et maintenant, si le Seigneur te parle aujourd'hui, te révèle quelle est sa volonté, la Bible nous met en garde, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. N'endurcissez pas vos cœurs. Soyez humbles. C'est lui le divin modèle. On a lu le week-end dernier, l'exemple d'humilité. Lui, le maître et le Seigneur, a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi est-ce que nous allons bomber le torse? Déjà, nous pouvons bomber le torse ici, et dès que nous sortons là, c'est un AVC. On tombe. C'est pourquoi nous voulons que le Seigneur nous fasse encore grâce aujourd'hui. Que nous soyons tous attentifs à ce qu'il a à dire. Par le moyen de son esprit, il utilisait des hommes. Et il parle au travers d'eux. Nous ne voulons pas considérer les hommes, mais nous voulons considérer la parole de Dieu dans la bouche des hommes. Amen. Chantons un dernier cantique, notre frère va venir. Le 140, je sais ce que le sang. 140. Chantons les deux premiers et les deux derniers couplets. Je sais ce qu'est le sang, je sais ce qu'est le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, ce qu'est le sang pour moi. Oh, lorsque j'étais perdu à la croix et mourut, je sais ce qu'est le sang pour moi. Et son sang est la vie. Bientôt, amen. Il reviendra bientôt. Oh.
préparez-la, placez pour ton épouse. Jésus revient bientôt pour moi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. J'espère que maintenant il n'y a plus de problème à la technique. Tout va bien maintenant. Que Dieu soit loué pour cela. Bien-aimés, tout ce que les hommes ont fait, cela a toujours été imparfait. Amen. Tout ce que les hommes font, aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Souvent, il y a la technique qui fait défaut. Et laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas les seuls qui suivez, qui écoutez. Il y en a aussi qui sont là. C'est comme j'ai parlé récemment avec un frère qui me disait, bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir comment ça nous fait du bien à suivre les lives là, chaque samedi, chaque dimanche. Donc, c'est pourquoi il faut toujours penser à nous. Ici, dans des pays où nous sommes, nous n'avons même pas d'assemblée locale à côté. Alors, ça nous aide beaucoup et ça nous réconforte beaucoup. Je connais un frère, notre frère Papy. J'ai eu à visiter ce frère en Suède où il habite. Il n'avait aucune assemblée à côté où il peut aller écouter la parole. C'était seulement les pentecôtistes qui étaient là. Alors, mes bien-aimés, vous voyez, tout ça là, c'est pour vous dire que quand la technique fonctionne bien, les autres aussi qui sont au nez en profitent aussi. Alors, il faut toujours prier. Prier pour les bien-aimés qui sont à la technique, afin que les choses puissent vraiment marcher. Alors, frère, tu peux attacher le micro au-dessus ici. Au-dessus de la caméra. Oui, là. Tu as un truc là. Tu faut pincer et puis faire entrer. J'ignore quoi. Voilà, il faut ouvrir et mettre le micro là-bas. Alors, en attendant que le bien-aimé de la technique puisse aussi résoudre ce petit problème de fixer le micro. Voilà. Donc, je disais que quand la technique marche bien, il y en a aussi qui en profitent. Quand ça ne marche pas bien, il y en a aussi qui ont du mal à suivre. Et ça ne leur fait pas du bien. Il y en a parfois qui m'appellent pour me dire vraiment, c'était très compliqué. Et faites entrer, voilà, comme ça. Laissez à ce niveau-là, ça ne va pas aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Et souvent, j'ai toujours demandé à tout un chacun de nous, quand nous venons ici, le jour que nous avons le culte, bien-aimés, ayez l'habitude dans vos maisons de préparer le culte. C'est-à-dire, tu pries pour le culte, tu demandes à Dieu son assistance sur toute chose, la louange que nous allons faire, la parole que nous allons écouter, tout. Alors, bien-aimés, le frère Branham disait que chaque croyant soutient son assemblée locale par trois choses importantes. Par ses offrandes, par ses dîmes et par la prière et par sa présence physique. Ces trois choses-là doivent être dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. J'espère que maintenant tout est en ordre, mes bien-aimés. Alors, c'est cela. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre tous ensemble Matthieu pour ajouter à la lecture aux écritures qui nous ont été lues tout à l'heure là. Nous prenons Matthieu chapitre 26,
Nous commençons à partir du verset 17. La Bible dit, le premier jour des pains sans levain, je suis dans Matthieu 26, à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « C'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Alors, maintenant, le verset 26. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Bien-aimés, avant de pouvoir parler de ça, je voudrais d'abord donner une petite exhortation directement à mon frère Michael, mais aussi à nous tous. Amen. Nous avons appris que notre frère Michael a perdu sa maman. Mais j'aimerais dire ceci à cette occasion. Nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 1. L'Écriture dit ceci. Au verset 7, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, si nous avons part aux souffrances, sachez-le aussi que nous avons aussi part à la consolation. Et quand on va dans 2 Corinthiens 1, 3, l'Écriture dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Nous avons un Dieu qui est un Dieu de toute consolation. Si nous avons part aux souffrances, Nous avons aussi droit à avoir part à la consolation. Mais qui console? C'est le Dieu de toute consolation. Amen. Ce Dieu-là console. Quand nous allons regarder par exemple dans Isaïe 50, le verset 4,
Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Alors, bien-aimé, le Seigneur est venu et il a consolé par la parole le peuple. Amen. Il pouvait dire ceci, donc il est écrit dans Ésaïe 35, consolez, consolez mon peuple. Amen. Et il pouvait encore dire ceci, dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu viendra vous-même, lui-même, et vous sauvera. Bien-aimé, et c'est ainsi qu'il est venu, c'était pour que nous puissions recevoir la consolation. Dans toutes nos détresses, notre Dieu est un secours qui ne manque jamais. Est-ce que tu le crois? Voilà pourquoi dans Proverbes, l'Écriture dit, si tu faiblis au jour de la détresse, amen, lisons cela, c'est important, Proverbes 24, 10. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Je relis. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Mais nous venons de dire tout à l'heure que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Voilà pourquoi quand la détresse vient, ne faiblis pas. Parce que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Mais souviens-toi que dans cette détresse-là, un secours est toujours là. Et ce secours-là ne manque jamais dans la détresse. Et qui est ce secours? C'est notre Dieu qui est notre secours. Est-ce que vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, il est le Dieu de toute consolation. Et s'agissant de ceux qui sont morts ou ceux qui meurent, parce que le Seigneur permet que nous puissions perdre aussi les nôtres. Oui, il est certes vrai que nous puissions perdre aussi certains d'entre nous. Cela arrive. C'est comme la semaine passée là, il est arrivé que je perde aussi ma mère. Aujourd'hui c'est le frère Michael qui aussi a perdu sa maman. Mais écoutez une chose, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, allons là-bas, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, l'Écriture dit, nous ne voulons pas, frères, je suis au verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Et dans d'autres versions, on a écrit au sujet de ceux qui dorment. Bien-aimés, nous qui avons la révélation de la parole. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et il est écrit aussi que c'est la révélation de sa parole qui éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Quand la parole de Dieu est éclairée, c'est alors que cette parole maintenant est révélée, c'est alors que cette parole maintenant devient une lampe qui éclaire. Alors, parce que nous avons la révélation, parce que nous avons de la connaissance, alors on nous demande ici que nous ne puissions pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent, au sujet de ceux qui sont décédés. Nous n'avons pas la même compréhension des choses avec les gens du monde. Il y en a qui disent, non, il y a une vie après la mort, mais quand on leur demande, ils ne sont pas capables d'expliquer comment. Mais nous, nous avons par contre la révélation. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, à nous qui avons la connaissance, qui avons la révélation, écoutez ce que l'Écriture dit.
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire qu'il y a sur cette terre une catégorie des gens qui ont l'espérance et une autre qui n'ont pas. Donc une autre catégorie qui n'a pas d'espérance. Nous, nous avons l'espérance. Et il est écrit que le Dieu de paix illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Nous avions été appelés à une espérance. Et l'espérance que nous avons ne trompe pas. Et la Bible dit, nous la possédons comme une encre sûre et solide de notre âme. Que nous avons jeté où? Au-delà du voile, là où Christ est entré pour nous comme précurseur. Bien-aimés, notre espérance n'est pas une espérance trompeuse. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, nous n'allons pas nous affliger comme ceux qui ont l'ignorance, qui sont dans l'ignorance, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais toi, en qui il y a l'espérance, quand tu te seras confronté devant un décès dans ta famille, ne sois pas affligé comme si tu étais dans l'ignorance. Mais agis comme quelqu'un qui a l'espérance en lui. Alors, regarde, ici il est écrit dans 1 Corinthiens, Paul pouvait dire, nous vous disons un mystère. Prenons cela pour finir cette exhortation. On regarde, on va retourner dans 1 Thessaloniciens. Et puis, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit ceci. Au verset 51. Ah, il y a quelque chose que le Seigneur me met à cœur. Bien-aimé, je veux lire d'abord, supporter un peu. Je veux lire Job. Amen. Je vais lire Job. Chapitre 30, le verset 23. Allons là-bas d'abord. Dans Job 30, 23. Job. Vous y êtes? Job 30, le verset 23. Paul, Job disait ceci. Car je le sais, tu me mènes à la mort. Et écoutez comment il appelait la mort. Au rendez-vous de tous les vivants. Est-ce que vous avez vu cela? Ici, Job appelle la mort que c'est le rendez-vous de tous les vivants. N'oublie pas, retiens cela. Maintenant, de son côté, il y a maintenant Josué. Allons dans Josué 23, 14. Comment Job a-t-il appelé la mort que c'est le rendez-vous de tous les vivants? Dans Josué 14. Dans Josué 23, 14, on va lire Josué 23, 14. Écoutez comment lui a pu appeler la mort. Écoutez ce qu'il dit. Voici. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Lui, il appelle la mort le chemin de toute la terre. Amen. Dans 1 Roi 2:2, David, comment il a appelé aussi la mort? 1 Roi 2:2. Dans 1 Roi, chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, ça c'est David, je commence par le premier verset. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Vous voyez cela? Job a rappelé cela, le rendez-vous hein, de toute la terre. Maintenant, hein, de tous les vivants. Très bien, vous êtes attentifs. Les rendez-vous de tous les vivants. David lui appelle cela que c'est le chemin de toute la terre.
Maintenant, Josué aussi a appelé cela comment? Les chemins de toute la terre. Quand on écoute tout cela, donc, celui-ci dit le chemin de toute la terre. L'autre dit le chemin de toute la terre. Et puis l'autre dit c'est le rendez-vous de tous les vivants. Et maintenant, quand on prend Ecclésiaste, la Bible dit les vivants savent qu'en effet, ils mourront. C'est ça, n'est-ce pas? Rassemblons cela maintenant pour comprendre quelque chose. Quand nous lisons tout ça, nous comprenons que c'est comme c'est à partir, c'est sur base de ça qu'on entend le langage des hommes de la terre qui disent toujours c'est le chemin de nous tous. C'est le chemin de nous tous. Amen. Mais nous qui avons maintenant la révélation, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, allons là-bas. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 15. Dans 1 Corinthiens 15, l'Écriture dit ceci. Paul dit au verset 51. Écoutez, c'est comment il formule la chose. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous savez ce que c'est un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, que tu ne peux pas de toi-même connaître si on ne t'a pas donné la révélation. Amen. Alors, avant qu'on ait la révélation, on peut avoir le langage comme tout le monde. Non, c'est le chemin de nous tous. C'est le rendez-vous de tous les vivants. C'est le chemin de toute la terre. Et, oh non, nous tous aussi, nous passerons par là. Ça, c'est le langage qu'a quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation. Mais celui qui a reçu la révélation, son langage change. Alors, parce que c'est un mystère, alors, ce sont ceux à qui ce mystère est révélé qui peuvent maintenant dire ceci. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Est-ce que vous avez compris? Nous ne mourrons pas tous. Si tu dis ça à quelqu'un, il te trouvera fou. Il dit, mais comment tu dis que nous ne mourrons pas tous? Job a dit, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Josué a dit, c'est le chemin de toute la terre. David aussi a dit que c'est le chemin de toute la terre. Mais comment toi tu dis que nous ne mourrons pas tous? Bien-aimé, si tu lis Job, tu vas voir quel est le langage qu'il a tenu avant qu'il ait reçu la révélation. Amen. Mais nous, nous sommes heureux de ce que nous avons la révélation. Alléluia. Alors écoutez, il y a eu un, amen, qui lui est venu, amen, et qui a vaincu la mort. Et depuis que le monde était monde, personne n'avait vaincu la mort. Mais lui est le seul qui est venu, qui a pris ta place et ma place et qui est mort pour nous. Et alors, il a vaincu la mort. Et sa victoire est notre victoire. Et c'est lui seul qui, en toutes choses, est le premier. Il est le premier. Donc, même d'entre les morts. Voilà pourquoi, ayant triomphé de la mort, il nous a dit qu'il est la résurrection. Il est la vie. Alors, bien-aimé, celui qui a le Fils a la vie. S'il meurt, il y a une chose qu'il faut retenir, il n'est pas mort, il se repose. Parce que la vie qui est en lui est une vie éternelle. Alors, le jour de la résurrection, le Seigneur va le ressusciter. Est-ce que vous avez compris? Mais quand nous retournons maintenant dans 1 Thessaloniciens pour clôturer cette exhortation dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, allons clôturer cela là-bas. Nous avions lu déjà le verset 13. Là, l'Écriture dit, au verset maintenant 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que tu crois comme ça? Mais aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque. C'est-à-dire qu'ils croient que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Amen.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y aura des vivants. Le jour que le Seigneur vient pour enlever son église, il y a des gens qui seront vivants physiquement, mais qui ne passeront pas par la mort physique, mais qui seront changés comme 1 Corinthiens 15 le dit, qui seront changés, qui seront transformés, qui auront d'autres corps, parce que ce corps ici n'entrera pas au ciel. C'est pourquoi il est écrit, le sang et la chair n'entreront pas. Mais pour entrer là-bas, nous aurons d'autres corps qui seront transformés. Amen. Et c'est pourquoi nous vous disons, si l'esprit de celui qui a ressuscité entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. C'est maintenant le moment d'avoir en vous la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, sois sûr. Cela en toi, c'est déjà le gage que le jour de l'enlèvement, tu vas partir. C'est déjà la garantie. Amen. Alors, maintenant ici, on nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés donc avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, écoutez bien, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, on conclut ceci pour dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons dit au début que celui qui a part aux souffrances, il a aussi part à la consolation. Et Dieu est le Dieu de toute consolation. Et alors maintenant, ce Dieu nous console par quoi? C'est par sa parole. Maintenant, nous disons à notre frère Michaël et à tout un chacun de nous que nous devons nous consoler par ces paroles que nous venons d'entendre. C'est-à-dire, si tu as entendu ces paroles, sois consolé par ces paroles. Amen. Qui sommes-nous? Nous sommes les croyants de la parole, les croyants bibliques. Quand Dieu dit un mot, nous croyons, nous ne discutons pas. Amen. Alors, et l'Écriture dit quelque part, afin que par la consolation dont vous êtes sujet, que vous soyez capable de consoler aussi les autres. Donc, puisque tant consolé de Dieu, nous pouvons aussi maintenant avoir la possibilité de consoler aussi les autres. Amen. Moi-même, la semaine passée, j'ai été consolé. Et aujourd'hui, je console aussi mon frère Michaël. Est-ce que nous avons compris cela? Alors qu'on ne s'afflige pas comme les gens qui n'ont pas de la connaissance. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, retournons maintenant dans Matthieu que nous venons de lire. Cela était une exhortation pour pouvoir consoler notre frère Michaël qui a perdu sa maman. Alors maintenant, nous retournons dans notre texte de Matthieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 26. Alors, je voudrais nous amener à remarquer quelque chose. Et là, je voudrais maintenant y aller lentement. Alors, bien-aimés, dans Matthieu, chapitre 26, nous constatons quelque chose là. Dans Matthieu 26, la Bible dit, pendant qu'ils mangeaient, j'avais commencé à partir du verset 17. Hein. Le premier jour
des pains sans levain. Est-ce que vous êtes là? Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Alors là, il est parlé de la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Si vous regardez dans Luc, je crois, ça doit être au chapitre 22, vous verrez que on nous donne encore quelques détails là-bas, que les disciples, quand ils sont partis, ils ont trouvé les choses telles que le Seigneur leur avait dites. Hein, prenons cela aussi dans Luc 22. Hein. Luc 22. Regardez. À partir du verset 7. Le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, je suis dans Luc chapitre 22, j'ai commencé la lecture à partir du verset 7. Où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de précision. C'est un Dieu, quand il dit la chose arrive telle que lui l'a dite. Vous voyez? Il n'est pas comme les soi-disant prophètes de ce monde qui disent des choses, mais qui ne sont pas vraies et qui ne s'accomplissent pas. Quand il a dit, vous allez trouver dans la ville, vous allez rencontrer un homme portant une cruche. C'est comme ça que ça va être. Amen. Souvenez-vous, dans la maison de Corneille, qu'est-ce qu'on avait dit à Corneille? On lui avait dit, envoie à Joppé venir, hein? Envoie chercher plutôt quelqu'un qu'on appelle Pierre. Et puis on lui donne des précisions. On lui dit qu'il est logé chez un corrailleur qui s'appelle aussi donc Simon. Vous voyez? On donne même l'endroit même où il habite. Et c'est comme ça que quand il envoie les gens, ils ont trouvé cela textuellement comme cela leur avait été dit. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, Dieu est un Dieu de vérité, qu'il ne ment pas. Alors, ce qu'il avait dit, quand ils sont allés dans la ville, ils ont trouvé comme il leur avait dit. Un homme avec la cruche d'eau, et puis cet homme-là, ils l'ont suivi jusque dans la maison, et l'homme est entré dans la maison. Et alors, ils ont dit à cet homme, le maître, donc, ils ont dit au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il s'est mis à table.
et les apôtres avec lui. N'oubliez pas, là, ils se mettent à table pour fêter la Pâque. Donc, le lieu qu'ils avaient trouvé, c'était le lieu qui était préparé pour qu'ils y mangent la Pâque. Je pense que c'est clair. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume des dieux. Et ayant pris une coupe, maintenant écoutez ce qui va se passer. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, ainsi de suite. Amen. Maintenant, nous retournons maintenant dans Matthieu 26 pour pouvoir lire cet endroit-là et afin que vous puissiez voir certains détails. Alors, nous retournons maintenant dans Matthieu 26. Alors, dans Matthieu 26, on avait lu le verset 17. Maintenant, nous sommes arrivés au niveau du verset 26. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Amen. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Au verset 29, il leur dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Maintenant, j'attire notre attention sur quelque chose, que c'est le jour où il y a la fête de Pâques. Et la maison qu'ils avaient trouvée, ils avaient trouvé cette maison pour pouvoir y manger la Pâque. Mais c'est pendant qu'ils se mettent à table pour manger la Pâque que le Seigneur maintenant institue ce que nous appelons la Sainte Cène. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? C'est deux choses qu'il faut comprendre. Donc, pendant qu'ils sont là à table pour manger la Pâque, le Seigneur va maintenant instituer quelque chose de nouveau. C'est quoi? C'est la Sainte Cène. Et cette sainte scène est encore appelée la communion. Et vous savez tous, même quand nous étions encore ailleurs, on l'appelait toujours communion. Ce n'est pas mal. Mais dans notre langage, nous appelons cela la sainte scène. Bon. Mais parce qu'elle est instituée le jour où même ils sont en train de fêter la Pâque, commençons d'abord par dire quelque chose sur la Pâque. Et comme ça, ça va nous amener maintenant à parler de la Sainte Cène. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok. Alors, comment est-ce que la Pâque est venue? Comment est-ce qu'elle a commencé? Allons d'abord dans Exode chapitre 12 avec vous. Maintenant, nous allons tous ensemble dans Exode chapitre 12, que notre frère Steve nous a lu. Dans Exode chapitre 12, nous allons commencer la lecture. La Bible dit, le Seigneur dit à Moïse, je suis dans Exode 12, je commence la lecture à partir du premier verset. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé, vous comprendrez que dans la Bible, le calendrier biblique est différent du calendrier romain qui est utilisé maintenant sur la terre. Vous voyez? Et souvenez-vous une fois quand on parlait de 70 semaines de Daniel. Donc, on avait fait mention de ça. Les calculs qui est fait là-bas, ce n'est pas selon les calendriers romains. Je ferme la parenthèse. Alors, je retourne ici. Je voudrais seulement que vous sachiez que le calendrier biblique, ce n'est pas le calendrier romain. Amen. Alors, maintenant, écoutez.
Ici, on nous dit, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Quel jour? Le dixième jour. C'est-à-dire, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Le dixième jour de ce mois-là, le Seigneur leur demande de prendre un agneau pour chaque famille. Et puis un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, peut-être que dans une maison on peut trouver. Prenons un exemple. Vous trouvez le frère Pierre dans sa maison. Il a son épouse. Il a ses trois enfants. Et lui, ça fait au total combien? 5 personnes. Maintenant, 5 personnes doivent manger un agneau. Vous voyez que l'agneau est... C'est donc, pour 5 personnes, 5 personnes, vraiment, c'est peu. L'agneau, ce sera vraiment beaucoup pour 5 personnes. Vous comprenez? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin. Son plus prochain voisin ici, ce n'est pas les Égyptiens. Amen. C'est-à-dire, le frère Steve est mon voisin. Alors, et n'oubliez pas, ce peuple ici habitait tous à Gozen. Je pense que je suis clair. Alors, si Steve est mon voisin, parce que nous tous nous habitons, nous le peuple de Dieu, on habite tous à Gozen. Alors, si c'est Steve qui est mon voisin, Steve a combien? Il a ses deux enfants et son épouse, tous 4 personnes. Moi, de mon côté, on est aussi 4 ou on est 5 personnes, moi et mes enfants. Bon, disons-le. Donc, comme cela, par exemple, que tous mes enfants étaient avec moi. Alors, vous voyez, on compte. Alors, on regarde. J'ai dit, bon, le frère Steve peut venir chez moi. Nous allons manger tous ensemble, les deux familles, un agneau. Et avec tout le nombre des enfants que moi j'ai et ceux que lui a, nous pourrons réussir à finir l'agneau. Vous allez comprendre pourquoi. Je continue la lecture. Maintenant, on dit ceci. On dit que si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus prochain voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Maintenant, le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Est-ce que tu comprends cela? Maintenant, on définit maintenant l'agneau là que l'on doit manger. Bon, mais je voudrais sauter pour aller au verset 10, parce que je vous ai dit ici qu'on doit compter qu'est-ce que chacun peut manger. Si la famille est peu nombreuse, qu'elle soit associée à une famille voisine. Pourquoi? Parce que la condition est que, au verset 10, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Amen. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi ils doivent être ensemble si les familles sont peu nombreuses? C'est parce que l'agneau là, on doit la manger tout entier. On ne laisse rien. Et c'est pourquoi au verset 10, on dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. C'est clair? Maintenant, je retourne maintenant au verset 6, où on parle de cet agneau qui devait être immolé. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Vous... Ça, au verset 5, ça sera un agneau sans défaut. C'est-à-dire, l'agneau là doit être examiné. C'est-à-dire, on l'examine, on le regarde. On dit, est-ce que l'agneau a un défaut ou n'a pas de défaut?
Parce que si tu as pris un agneau avec défaut, tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Alors, il faut bien examiner l'agneau pour qu'il n'y ait aucun défaut. Croyez-le, comme ces gens étaient des éleveurs, ils savaient examiner les bêtes. Amen. Alors, tu regardes, des fonds t'en comblent. Est-ce que l'agneau a des défauts? Est-ce qu'il a de la gale quelque part? Est-ce que quelque part là, il y a une petite maladie? Vous regardez cet agneau, vous l'examinez. Voilà pourquoi on devait le prendre depuis le 10e jour. Amen. Et vous allez comprendre que c'est au 14e jour. Amen. Qu'on va l'immoler. Alors ils ont tout le temps, du 10e jour jusqu'au 14e jour, de toujours examiner chaque jour cet agneau-là. Pour être très sûr que l'agneau n'a pas de défaut. Et l'agneau doit être l'agneau d'un an. Et la Bible dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour. Ça c'est le verset 6. Au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. Bien-aimés, entre les deux soirs, on précise le temps, le moment où il faut faire cela. C'est-à-dire, quand on a dit entre les deux soirs, n'allez pas faire cela le matin. Vous vous souvenez quand nous avons lu avec vous, nous avons parlé avec vous des ouvriers de la dernière heure. Dans la Bible, on a écrit c'est quelle heure? De la 11e heure. Amen. Et pour eux, il y avait combien d'heures dans le jour? C'est 12. Amen. Amen. Et Jésus, quand il a été à la croix, c'était à quelle heure? Où il y a eu aussi même, quand il a rendu l'âme, il faut connaître ces choses. Alléluia. Donc, et rappelez, je vous rappelle, quand ils sont sortis de la chambre haute et qu'ils étaient en train de parler dans des diverses langues, ceux qui étaient là ont pensé qu'ils étaient ivres. Amen. Mais quelle a été la réponse de Pierre? Ces gens que vous voyez ne sont pas ivres comme vous le pensez. Allons-y là-bas. Hein? Allons-y là-bas. Là, nous allons prendre ça, c'est justement pour vous fixer pour ce qui concerne les heures. Amen. Je suis dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, remarquez une chose. Ça doit être au verset 13, 14, je pense. Alors, Pierre se présenta avec les 11. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Amen. Maintenant, la troisième heure du jour, lui dit, mais comment vous allez penser que quelqu'un à cette heure, troisième heure, lui est déjà ivre? Amen. Ce n'est pas 3 heures du matin comme vous comptez les heures maintenant. Mais on explique, on dit 3e heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Est-ce que vous avez compris? Voilà, 9 heures du matin. Maintenant, si 3e heure et 9 heures du matin, il y a combien de différences avec la manière que l'on compte? Amen. 3 et 9. C'est-à-dire, tu fais 3, tu ajoutes combien à 3 pour avoir 9? Hein? 6 heures. Ça fait 9 heures. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, mais si maintenant, c'est à midi, hein? Si on est 11 heures, 11 heures maintenant, ça doit être quelle heure? Tu prends 6 plus 11. Tu as combien? Tu as 17 heures. C'est déjà la fin de la journée. Amen.
Et quand tu prends 6 plus 12, tu as combien? Tu as 18 heures. Amen. C'est comme ça qu'il comptait qu'il y a 12 heures dans la journée. C'était la fin du jour. Amen. Alors maintenant, quand on parle de entre les deux soirs, c'est entre le temps où le soleil va se coucher et le temps où la nuit va pouvoir commencer. Entre cet espace-là, entre le tomber du soleil et le commencement du crépuscule. C'est entre ces-là qu'on appelait entre les deux soirs. Amen. C'était à ce moment-là qu'eux préparaient la Pâque. Amen. Alors, j'insiste. Vous avez compris le temps à laquelle ils faisaient la Pâque. N'oubliez pas que c'est pendant que le Seigneur faisait la Pâque là qu'il a institué la Sainte Cène. Vous allez déjà comprendre que la Sainte Cène, on ne la présente pas le matin. Je ferme vite cette petite parenthèse. Nous reviendrons là-dessus. Alors, nous retournons maintenant dans Exode chapitre 12. Alors, maintenant dans Exode 12, on a dit que cet agneau doit être un agneau mâle, âgé d'un an. On n'a pas dit femelle, mâle. Tout ça là, ça compte. Amen. Âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. C'est-à-dire, cet intervalle-là entre le coucher du soleil et la fin plutôt du crépuscule. Hein? La fin du crépuscule, le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Voilà. C'est vers ces heures-là. Alors maintenant, au verset 7, on nous dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on le mangera. Amen. On ne met pas cela au seuil des portes, mais on met cela où? Sur les linteaux de la porte des maisons. On n'a pas dit de mettre cela au seuil. Et cela doit être pris en compte. Tout ce que Dieu demande de faire, bien-aimé, Dieu veut que cela soit fait comme lui le veut. Souvenez-vous que pour que l'arche de Noé arrive à flotter au-dessus des eaux, il fallait qu'il soit fait, hein, selon les normes que Dieu avait données à Noé. Les fenêtres, tout ce qui, les calculs de toutes les distances de fenêtres, la longueur, la largeur, tout devait être respecté. Et quand Dieu avait vu que Noé avait tout fait comme lui l'avait dit, c'est alors que seulement Noé et ceux qui étaient dans cette arche pouvaient être sauvés de l'eau du déluge. C'est alors que cette arche pouvait flotter sur les eaux. Mais remarquez que les autres pouvaient imiter, faire quelque chose de semblable et dire non, je vais faire quelque chose, je vais me sauver. Mais quand l'eau du déluge arrive, tout ce qui était comme imitation ne pouvait pas y résister. Et quand il fallait qu'on construise le tabernacle, bien-aimé, Dieu a encore donné les mesures des tabernacles. On dit, faites ceci. C'est pourquoi il avait été dit à Moïse, aie soin de faire tout d'après le modèle. Notre Dieu est toujours derrière sa parole. Et Dieu, quand ce qu'il a dit est fait comme il l'a dit, Dieu approuve.
La tour de Babel ne venait pas des dieux. Ce n'était pas dans le programme des dieux, ce n'était pas le plan des dieux. C'était le plan des hommes. C'était le projet des hommes. Or, Dieu anéantit les projets des hommes. Et comme ce n'était pas le projet des dieux, alors Dieu les a confondus. Voilà pourquoi nous aussi, nous ne voulons pas être dans nos propres projets. Nous ne voulons pas faire les choses selon nos propres plans. Mais nous voulons tout faire selon le plan des dieux. Selon ce que Dieu a dit. Peu importe les critiques que cela peut nous coûter. Amen. Peu importe les critiques. Et dans cela, il n'y a pas lieu de parler du modernisme. Dire non, mais aujourd'hui c'est l'état moderne. C'est non, ce que Dieu dit reste tel qu'il l'a dit. Et Paul pouvait dire, c'est à cause de vous que j'ai fait de ces choses une application en ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous, on ne sort pas de ce qui est écrit. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui déplacent les bornes anciens qui ont été posées. Nous sommes dans un enclos qui s'appelle les Écritures. Amen. Et étant dans les Écritures, nous nous sentons comme les poissons dans l'eau. C'est cela notre monde. Amen. Est-ce que tu comprends cela? C'est cela notre monde. Alors, voilà pourquoi nous tenons à ce que tout soit fait selon la parole des dieux. Voilà pourquoi le message que nous avons reçu avec vous ne se résume qu'en une phrase. Et qu'est-ce que ce message dit? Peuple de Dieu, retournez à la Bible. Voilà pourquoi vous voyez, quand quelqu'un vient avec une soi-disant révélation ou une inspiration, tant que cette inspiration-là n'est pas une écriture, n'est pas dans les écritures, nous ne prenons pas. Quel que soit le nom que la personne porte. Je pense que c'est clair. Alors, n'allez pas dire un jour, mais pourquoi les autres font ça, nous, on ne fait pas? Mais pourquoi, pendant tout ce temps ici, les gens sont en train de dire ça? Tu ne trouves pas que c'est beaucoup de gens qui... Non, je voudrais vous faire voir quelque chose. Allons dans Exode 23. Que dit l'Écriture dans Exode ici 23? Exode au chapitre 23, l'Écriture dit ceci. Nous allons lire avec vous ensemble. L'Écriture dit au verset 2, Exode 23, 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Amen. Disons encore amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de suivre la multitude. Si la multitude fait le mal, nous aussi on va suivre la multitude. Non. Amen. Moïse a respecté les mesures et tout pour pouvoir faire le tabernacle. C'est quand Dieu a vu que Moïse a respecté les mesures qui lui avaient été données pour le tabernacle et tout était bien fait et que l'œuvre était achevée selon les normes que Dieu avait données à Moïse, c'est alors que la nuée est descendue. C'est alors que la gloire du Seigneur a rempli le tabernacle. Quand tout était achevé. Alors, toi et moi, soyons aussi comme des tabernacles qui doivent être faits selon le modèle. Amen. De sorte que quand tout est achevé, alors que la gloire de Dieu soit en chacun de nous. Amen. Alors, il faudrait que tu te laisses être taillé selon les normes que Dieu a données. Il faut que son église soit faite selon les normes, soit bâtie selon les normes, pour que vers la fin, que cette église soit remplie de sa gloire. Mais si tel n'est pas le cas, bien aimé, ça sera malheureux. Alors, nous retournons dans notre texte d'Exode chapitre 12. Alors, nous avons dit tout cela pour nous amener à comprendre que quand Dieu dit c'est un agneau sans défaut, il faut que ça soit un agneau sans défaut. Mais si toi tu viens avec un agneau, tu dis non, tu vois,
cet agneau ici. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui regarde l'agneau là, il dit, ah, mon agneau, vraiment, je ne fais pas le programme de pouvoir manger cet agneau là. Par contre, on peut manger l'autre là. Mais celui que lui veut manger là a les défauts. Et puis après, il dit, non, d'ailleurs, même, ils ne sauront même pas qu'il avait les défauts. Je vais le faire aller ainsi. On ne se cache pas devant Dieu. Ça, il faut demander à Ananias et Saphira. Ils étaient à deux, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils vont cacher le, donc la vérité, mais ils étaient confondus. Tout est à nu et à découvert devant notre Dieu. Quand Akan avait pris les lingots d'or, hein, il avait pris l'argent et le manteau de Shinéa et qu'il avait caché dans sa tente, personne n'était là. Il était seul. Mais regardez, les choses n'ont pas avancé. L'Israël a perdu la bataille devant un peuple, un petit peuple haï. Pourquoi? Parce que il y avait un Akan au milieu d'eux. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. C'est pourquoi dans ta vie, ne dis pas, je suis seul. Personne ne me voit. Si je fais ça, qui le saura? Non. Un jour, je vous ai raconté, un homme qui voulait voler la chèvre du voisin, il prend son fils, il dit, toi, sois de ce côté ici, regarde de ce côté-là. Il met de l'autre côté un autre. Il dit, toi aussi, tu te mets là et tu dois regarder de ce côté. Si vous voyez les gens venir, il faut me signaler. Dans l'entretemps, lui, s'est mis à faire l'opération. Mais un de ses fils lui dira, mais tu as mis quelqu'un de ce côté-là, l'autre de l'autre côté, mais là-bas, tu n'as pas mis quelqu'un. Amen. Alors, il fallait qu'il mette encore quelqu'un là-bas, au ciel. Amen. Pour empêcher que on ne le voie pas. Vous voyez? Il ne pouvait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse rester secret au milieu de nous. Il n'y a rien dans ta vie qui soit secret devant Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, tu sais quand je me couche. Tu sais quand je me lève. Il dit, tous les jours de ma vie qui me sont donnés de ma vie, avant qu'aucun d'eux ne puisse exister, toi tu connaissais. Avant qu'une parole ne sorte sur ma langue, toi tu la connais. Tu la connaissais déjà. Où irais-je loin de ta face? Ça c'est le psaume 139. Vous voyez, à partir du verset 13. Donc, ça dit que personne n'est caché devant Dieu. Donc, il faut toujours respecter ce que Dieu dit tel qu'il l'a dit. Même si tu es seul, tu dois savoir seulement que Dieu est là. Mais, écoutez, c'est toi-même qui dis, ou c'est nous-mêmes qui disons, que l'ange du Seigneur campe. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Mais là où tu es, tu penses être celle-là. Mais dans ta bouche, tu as toujours dit qu'il campe, non? Camper signifie quoi? Qu'il est sur place, non? Tandis que l'ennemi, le diable, lui, il rôde. C'est un vagabond depuis le commencement. Mais notre Dieu, lui, il campe. Alors, c'est-à-dire que là où tu es, il est là. Et il est celui qui nous a dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours, jusqu'à la fin de temps. Alors, là où tu penses être seul, tu n'es pas seul. Le Seigneur est là. Il voit tout. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en toi, quand tu fais le compte de la parole, il est attristé. Est-ce que c'est clair? Alors, il fallait respecter, prendre seulement l'agneau. Et maintenant, quand ils prennent cet agneau, on leur dit, vous allez le manger, vous ne laisserez rien. S'il reste quelque chose, vous devez brûler cela. Maintenant, cet agneau, on dit, on prendra de son sang et on va oindre les... Donc, on va pouvoir mettre ce sang-là sur les linteaux des portes, des maisons, où on le mangera. Passe pas sur le seuil pour que vous puissiez fouler aux pieds, non, mais sur les linteaux des portes. Et la Bible dit, cette même nuit... On en mangera la chair rôtie au feu. Vous voyez déjà que on l'a immolé entre les deux soirs. Et puis c'est déjà la nuit qui va venir déjà, qui tombe. Et puis on leur dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères.
Maintenant, l'agneau, on va les rôtir au feu. Ce n'est pas que tu vas chercher quoi? Oh, je vais chercher les oignons, je vais chercher les épices. Maintenant, quand je vais faire les épices, je ferai la sauce, je vais faire cela, je vais... Non! Tu dois le rôtir au feu. C'est merveilleux. Tu dois le rôtir au feu. Et puis après, la Bible dit, vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Non! Mais il sera rôti au feu. Avec la tête. Là, il n'y a pas moyen de dire non. La tête, moi, je ne peux pas manger. Non, avec la tête. Est-ce que vous comprenez bien? Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oh non, ici l'intérieur, c'est pour les donner aux chiens. Non! Cet agneau-là est l'intérieur, est la tête et les jambes. Est-ce que vous avez compris? Tout, vous devez rôtir au feu. Et vous mangez tout. Et la Bible dit, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. C'est-à-dire, et la tête, et les jambes, et l'intérieur, tout on mange. Amen. Là, il n'y a pas le choix. Vous mangez tout. Si c'était maintenant, là, si on donne à quelqu'un, surtout les gens de l'Europe ici, tu vas voir, hey, ça je ne peux pas manger. Il y a les yeux ici et il y a... Non, mais là, on mange tout. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, tout ce que Dieu a fait est bon. Est-ce que vous savez cela, n'est-ce pas? Oui. Pourvu que l'on mange, ceux qui connaissent la vérité doivent manger seulement avec action de grâce. Amen. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Mais nous sommes trahis par la montre. Ne vous en faites pas. Nous avons encore la journée de demain. Amen. Alors maintenant, je continue. On va s'arrêter quelque part. Finir une pensée. Demain, nous allons continuer. Il n'y a pas de problème. Si je savais que, si j'avais eu présence d'esprit hier en principe, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a rappelé de cela, si j'avais cela à l'idée hier, on pouvait avoir même en ligne un culte, parce que c'était férié. Amen. Mais rappelez-le à la prochaine occasion. Quand c'est férié, tout le monde est à la maison, nous on peut même en ligne, si on n'a pas la salle, même en ligne avoir un culte. Alors, maintenant regardez. L'Écriture dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et il en reste, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Maintenant, quand vous allez le manger, vous aurez vos reins sains. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et puis on dit, c'est quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Disons encore amen. C'était ça l'institution de la Pâque. Amen. Maintenant écoutez, cette nuit-là, Dieu dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Maintenant, il dit au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Dans ce qui est dit ici, nous trouvons la signification de Pessah, qui veut dire Pâques, c'est-à-dire passer en épargnant. C'est-à-dire que le Seigneur vient passer, mais il épargne. Amen. Il délivre certains. Mais à d'autres, il leur inflige le jugement. Mais à son peuple, il passe, mais il les épargne contre le jugement
qu'il inflige aux autres. C'est ça la signification du mot Pâques. Je pense que c'est clair. Alors maintenant, regardez. Et puis il dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai les pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Maintenant, ce qui vient d'être institué là, ça s'appelle comment? La Pâque. Maintenant, le Seigneur leur dit que c'est le commencement. Mais vous, vous allez toujours continuer à célébrer ça. Ça sera pour vous une loi perpétuelle. Vous avez vu là où ça va commencer, là a commencé? C'est pourquoi vous allez voir dans Lévitique 23, vous allez voir dans Deutéronome, je crois, dans Nombre, ça dit que la Pâque est restée comme une ordonnance, comme une loi qui devait être toujours célébrée, chaque année. Et quand est-ce qu'ils devaient le célébrer? C'est toujours en ce temps-là qui était fixé. Amen. Bon. Prenons Lévitique. On va dire quelque chose. Je n'aimerais pas toucher quelque chose et puis laisser en suspense. Prenons Lévitique qu'on lit. On va lire et demain nous allons continuer. Dans Lévitique, au chapitre 23, l'Écriture dit, à partir du premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Amen. Voici quelles sont mes fêtes. Bien-aimé, tu as compris ce langage? Voici quelles sont mes fêtes. Ça dit que n'ajoutons pas d'autres choses. Nous ne célébrons que les fêtes qui sont les fêtes du Seigneur. Amen. Alors, maintenant, regardez. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. La Pâque, on commence. Regardez, la Pâque, la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Les premiers mois, le 14e jour du mois. Amen. Vous avez vu cela? Le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Tu te souviens de ça? Entre les deux soirs. L'agneau de Pâques, on prend quel jour? 10e jour. On le garde jusqu'au 14e jour. Et c'est là qu'on va l'immoler. Maintenant, ici, on dit le premier mois. Le premier mois, Dieu leur avait dit, pour vous, ce mois sera le premier mois. On a lu avec vous dans Exode, n'est-ce pas? Il leur avait dit, pour vous, ce mois sera le premier mois. Alors, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête de pain sans levain. Vous avez vu ça? En l'honneur de l'Éternel. Vous en mangerez pendant 7 jours des pains. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Les premiers jours, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Là, il est cité la Pâque comme l'une des fêtes du Seigneur. C'est clair? Donc, parce qu'il leur avait été demandé
Dès lors qu'ils avaient célébré la première Pâque instituée par Dieu lui-même, alors qu'ils étaient en Égypte, alors il avait été dit que vous continuerez à célébrer cela comme une loi chaque année. Et maintenant, c'est pourquoi désormais, ils ne pouvaient que célébrer cela chaque année et à la même période. Amen. À la même période. Je crois, ce premier mois-là, c'était le mois des épis. Amen. Demain, on va toucher à cela, on va parler de cela. C'est comme ça que on va toujours continuer à célébrer la Pâque. Est-ce que vous avez compris cela? Alors, maintenant, quand nous allons dans Colossiens, chapitre 2, lisons cela et nous allons arrêter par là, et demain nous allons continuer. On va maintenant dans Colossiens. Colossiens au chapitre 2, l'Écriture dit ceci, au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Est-ce que tu as trouvé ça dans ta Bible? Ou des sabbats? Il faut souligner des passages bibliques pour que vous puissiez les trouver facilement aussi. Ou des sabbats. Maintenant, le verset 17 dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Quand on dit que c'était l'ombre, mais le corps est en Christ, on parle là du corps et de l'ombre. Et tous nous savons que l'ombre est produite par un corps. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'ombre. Remarquez une chose, vous voyez, il y a l'ombre de ma main là-bas. S'il y a cette ombre, c'est parce qu'il y a ma main. Alors, ça c'est le corps qui produit cette ombre. Si le corps n'est pas là, il n'y a pas l'ombre. Est-ce que vous avez compris? Mais maintenant, entre l'ombre et le corps qui a produit l'ombre, qu'est-ce qui est réel? Et qu'est-ce qui est fictif? Amen. Ce qui est réel, c'est quoi? C'est le corps qui produit l'ombre. Alors, tant que le corps n'est pas là, et se contenter de l'ombre. Maintenant, quand le corps sera là, on ne se contente plus de l'ombre, mais on va se contenter du corps. C'est-à-dire, quand ce qui est réel vient, ce qui est partiel disparaît. Amen. Nous venons de voir ce qui était ombre, mais on nous a dit que le corps est en Christ. Alors, demain, nous allons voir ce que c'est ce corps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais vous demander d'être tous là. Parce que demain, c'est la fête. Nous allons célébrer la Sainte Cène. Alors, il faut être là. Amen. Notre culte commencera. Donc, à 16h, on est tous là. Et 17h, on commence. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Oui, la Bible dit que quand ce qui est parfait sera là, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous avons la connaissance de l'ombre et de la réalité. Christ est notre Pâque, l'agneau de Dieu parfait, sans défaut, qui a été immolé pour nous. C'est cela aujourd'hui que nous pouvons, avec foi, nous approcher de Dieu sans crainte, parce que nous avons été réconciliés avec lui par le sacrifice de Golgotha. La question du péché a été réglée
Et c'est pourquoi nous avons pu être encouragés et consolés que si même nous mourons, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habitant en nous, nous avons l'assurance que nous ressusciterons avec lui. Amen. Oui, tous ne mourrons pas. Amen. Tous ne mourrons pas. Certains mourront, mais mourront avec une espérance. Amen. Et nous faisons partie de cela. Oui, frères et sœurs, seuls les projets de Dieu et ses plans réussiront. Amen. Rappelons-nous, avec notre frère, c'était le frère Chong, en décembre, n'est-ce pas, à Paris. Il disait que nos projets tombent. Amen. Que nos projets tombent. Amen. Je ne croyais pas longtemps, l'homme de Dieu, dans une retransmission, disait aussi une chose similaire. Au point, je crois, il a même dit que le Seigneur prenne le fouet et commence à fouetter. Je ne retrouve pas exactement le terme qu'il a utilisé, mais s'il le fait, c'est pour un but. C'est pour que nous soyons prêts. Parce que nous n'avons pas été destinés à la colère, mais nous sommes destinés au salut. Et le Seigneur travaille aujourd'hui, il nous parle afin que nous soyons prêts. Bien-aimés, nous voulons chanter et prier. Chantons deux couplets du numéro 18. Croire et obéir. Les deux premiers couplets. Celui qui n'avait pas immolé l'agneau, qui n'avait pas appliqué le sang, l'ange de la mort ne pouvait pas passer par-dessus. Il était nécessaire d'avoir appliqué le sang. Amen. Chantons le numéro 18, les deux premiers couplets. Et nous allons prier. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut en son nom, autrefois, le peuple d'Israël à qui ses ordonnances, ses instructions avaient été données n'avait pas immolé et n'avait pas respecté ce qui avait été dit, l'ange destructeur aurait causé la mort dans leur maison. Amen. Aujourd'hui, cela encore est le cas. Lorsque le Seigneur nous parle, nous ne voulons pas être de ceux qui discutent avec lui, mais nous voulons nous incliner devant sa parole. Amen. Ce qu'il dit est la vérité et nous le croyons. Nous voulons élever la voix et lui dire merci pour tout ce qu'il nous a encore révélé ce soir dans sa parole et qu'il puisse nous donner les capacités de croire, de nous réjouir de ce qu'il a accompli et de pouvoir mettre en pratique ses instructions. Élevons la voix ensemble, prions. Dieu Tout-Puissant,
Je te suis reconnaissant de ce que, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous as rappelé, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Seigneur, après avoir, ô Dieu, considéré l'ombre des choses que déjà autrefois, dans le temps en Égypte déjà, tu pouvais demander à ton peuple, Seigneur, de pouvoir, ô Dieu, immoler un agneau sans défaut, donnant toutes les caractéristiques, Seigneur, que l'agneau devait remplir. Seigneur, leur donnant, ô Dieu, même le temps. Seigneur, je te suis reconnaissant. Parce que, ô Dieu, le témoignage de l'Écriture nous montre que ce que tu as dit, Seigneur, est arrivé. Et que, Seigneur, l'ange destructeur est passé. Et que ceux qui avaient été obéissants ont échappé, Seigneur. Car toi, tu es passé outre. Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, ta parole, Seigneur, ne soit pas négligée par moi, ni par mon frère, ni par ma soeur. Mais que tous, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, respecter toutes les instructions que tu nous donnes. Ô Dieu, rends-nous capables d'obéir. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que, Seigneur, nous puissions nous incliner devant ta face, Seigneur, et à tes paroles. Donne-nous, Seigneur, de croire et d'obéir. Seigneur, nous voulons, ô Dieu, la liberté. Nous voulons, ô Dieu, la santé. Nous voulons le bonheur déjà ici, bas sur la terre. Ô Dieu, afin d'hériter de la gloire. Seigneur, donne-nous de demeurer dans ta parole. Donne-nous de demeurer en toi. Seigneur, Paul ne l'a-t-il pas déjà dit? Que, ô Dieu, il a appris, Seigneur, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ce qui a été écrit, Seigneur, l'a été pour nous. Afin que, ô Dieu, parvenu à la fin des temps, nous soyons instruits, Seigneur Dieu, dans tes voies. Bénis, Seigneur, de ta parole dans nos cœurs ce soir. Merci d'avoir éclairé chacun d'entre nous. Merci d'avoir révélé, ô Dieu, à chacun de nous, de comprendre ce que tu fais, Seigneur, de ce que toi tu institues. Nous ne voulons pas suivre, Seigneur Dieu, les voies de ce monde, mais nous voulons suivre, ô Dieu, ta voie. Garde-nous, Seigneur Dieu, dans la vérité. Révèle à nous davantage. Merci pour tout. À toi l'honneur et la gloire. Alors que, Seigneur, je t'ai prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Merci, ô Seigneur. Merci pour la Pâque. Merci pour l'agneau de Dieu qui a été immolé. Seigneur, nous voulons encore ensemble, bien-aimés, élever la voix et prier le Seigneur qu'il nous donne de comprendre toutes ces choses qui appartiennent à son peuple. Oui, nous ne voulons pas croire comme les gens de ce monde croient. Nous ne voulons pas suivre les pratiques et les méthodes et les enseignements des gens de ce monde, du milieu religieux. Mais nous voulons retourner à la Bible, à ce qui est écrit. Nous voulons pratiquer ce qui a été au commencement. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui jouent et qui font de la religion. Nous voulons prier que le Seigneur puisse encore davantage nous révéler ses voies et qu'il nous amène à demeurer dans ce qui est écrit, dans l'enclos de sa parole, qui nous amène à véritablement aimer tout ce qu'il nous dit. Ce n'est pas facile, comme le frère le disait tout à l'heure, pas seulement pour les gens d'ici, mais même pour nous autres. Certains ne supportent pas de manger les pattes de la poule, ne supportent pas de manger la tête. Combien, quand on imagine ce qui avait été demandé au peuple de Dieu, de manger la tête, les pieds, cela semble être difficile, mais il fallait obéir pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous soyons obéissants à toute la parole, que nous ne trions rien, que nous n'acceptions pas une partie et rejetons une autre. Et cela, lui seul peut nous donner la capacité d'obéir. Élevons ensemble encore la voix, prions le Seigneur qui nous aide, prions ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, autrefois, tu as donné cette instruction à ton peuple de manger l'agneau en entier. Malgré, Seigneur, ô Dieu, les parties qui pouvaient être difficiles à accepter, Seigneur, ils l'ont fait par obéissance et ils ont vécu, ils ont survécu. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux que nous soyons un peuple de parole, que nous ne suivions pas les voies du monde, les voies religieuses, Seigneur. Ô Dieu, ce que les hommes ont institué. Mais tu veux que nous demeurions, Seigneur, dans ce qui est écrit. Garde-nous dans ta parole et amène-nous à l'accepter entièrement. Seigneur, que personne de nous ne puisse, ô Dieu, poser une résistance. Que personne de nous ne puisse venir avec un raisonnement. Que personne de nous, ô Dieu, ne puisse venir, ô Dieu, avec ses propres pensées. Mais donne-nous, Seigneur, de nous soumettre entièrement à toi et d'accepter entièrement, Seigneur Dieu, ce que toi tu dis, ce que tu donnes. Seigneur, je t'en supplie. Fais de nous, ô Dieu, de véritables fils obéissants, comme toi, Seigneur Dieu, tu l'as déjà dit dans ta parole. Car c'est à cela que toi tu nous as appelés. Garde-nous, Seigneur Dieu, par ta parole, dans ton conseil, Seigneur,
Quels que soient, ô Dieu, les plans et les ruses de l'ennemi, que nous puissions demeurer, Seigneur Dieu, dans les limites de ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, ô Dieu, tes plans à notre égard. Que ton esprit, Seigneur, qui, ô Dieu, est le gage, Seigneur, de notre résurrection, puisse habiter en chacun d'entre nous. Que tu puisses trouver le plaisir, Seigneur Dieu, de ta bénédiction en nous. Que ta parole, Seigneur, trouve sa demeure en nous, ô Dieu, afin que nous te soyons agréables en toutes choses. Bénis ton peuple, Seigneur, qui ce soir, ô Dieu, est venu, qui, ô Dieu, au loin s'est connecté, malgré les problèmes de la technique. Seigneur, je t'en supplie, que tu sois encore avec nous, alors que nous allons nous séparer, retournant dans nos maisons. Que tu puisses, ô Dieu, nous garder, Seigneur Dieu, avec ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et que demain, ô Seigneur, une occasion nouvelle nous soit renouvelée. Et que, Père, nous puissions encore, ô Dieu, nous nourrir de la manne, ô Dieu, d'en haut. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple qui a reçu ta parole dans la foi. Toi qui connais, ô Dieu, nos besoins, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir guéri. Merci d'avoir délivré. Merci, Seigneur Dieu, d'avoir secouru. Ô Dieu, console davantage, Seigneur, les cœurs qui sont affligés, qui sont attristés. Et que, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur, tu puisses atteindre ton but. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci infiniment, alors que nous avons prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Nous allons élever encore la voix bien-aimée, prier le Seigneur, lui recommander la réunion déjà de demain, ainsi que la sainte scène que nous aurons à observer demain. Que le Seigneur lui-même permette que demain tous puissent être présents et que nous puissions ensemble, avec obéissance, pouvoir exécuter cette ordonnance que le Seigneur a donnée à l'Église. Dans la même prière, nous allons lui recommander la convention de Bloomington, qu'il puisse se souvenir de tous ceux qui auront à demander encore les visas, qu'ils soient favorables et qu'ils puissent pourvoir, afin que tous nous puissions, ceux qui ont à cœur de faire les déplacements, de pouvoir l'effectuer. Qu'ils se souviennent de tous ceux qui sont à l'organisation, nos bien-aimés de l'autre côté, qu'ils soient avec tous ceux qui auront intervenu, que lui-même puisse organiser toutes choses pour sa gloire. Prions, Dieu de grâce. Nous voulons te recommander déjà encore le service de demain, afin que Seigneur, alors que nous voulons, par obéissance, ô Dieu, avoir, ô Dieu, cette sainte scène, que tu puisses, ô Seigneur, déjà permettre que demain, nous puissions être présents. Que rien, Seigneur, ne s'oppose, ô Dieu, à notre présence en ce lieu. Et que, Père, nous puissions ordonner, observer, Seigneur, cette ordonnance que tu as donnée à l'Église. Bénis, Seigneur, tous ceux qui pourront être présents et sois avec nous. Que ce soit un moment de communion particulier où, ô Dieu, tu nous bénis, Seigneur Dieu, dans l'obéissance, Seigneur Dieu, de ta parole. Visite, Seigneur Dieu, encore ton peuple que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses avec nous, Seigneur, ô Dieu, et exécuter entièrement ton plan. Seigneur, tu vois, nous avons à cœur de faire ce déplacement pour cette convention à Bloomington. Seigneur, c'est toi qui, ô Dieu, peux rendre la chose possible. C'est toi qui peux pouvoir, Seigneur, non seulement au visa, mais au déplacement. Seigneur, c'est toi qui peux, ô Dieu, donner tout ce qui est nécessaire pour l'organisation et la bonne marche. Seigneur, et je te prie que tu puisses, ô Dieu, nous donner ce qui est nécessaire pour ce rassemblement, à savoir ta parole. Équipe, Seigneur Dieu, encore tes serviteurs. Prépare ton peuple, Seigneur. Et toi-même, Seigneur, reçois l'honneur, reçois l'élévation lors, ô Seigneur, de ce rassemblement. Nous voulons, Seigneur, te prier afin que toi, tu puisses, ô Dieu, nous exaucer et nous donner, Seigneur, de ces moments de communion bénis. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci infiniment pour tout. Nous te recommandons notre retour, Seigneur. Ramène-nous en paix dans nos maisons, Seigneur. Et donne-nous, ô Dieu, une soirée paisible. Seigneur, ramène, ô Dieu, encore chacun d'entre nous, encore demain en ce lieu, afin qu'avec toi, Seigneur, nous puissions, ô Dieu, avoir encore une communion par le moyen de ta parole et de ton esprit. Bénis les bien-aimés qui ont écouté au loin. Merci infiniment pour tout, alors que nous avons prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous sommes à la fin de notre service. Nous avons reçu les salutations de nos bien-aimés qui ont suivi en ligne. Notre frère David Makoko nous a salués. Notre frère Aimé nous a salués depuis l'Espagne. Notre frère Cyril ainsi que notre sœur Doris nous ont salués. Ainsi que notre sœur Augustine Kalonga nous a salués depuis la Belgique. Que Dieu les bénisse richement. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont suivi en ligne. Comme au début, on a eu des problèmes avec la technique. La caméra principale n'a pas fonctionné. Et nous prions que le Seigneur demain nous accorde de pouvoir revenir et d'avoir un service sans encombre. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Prions les uns pour les autres.
Et comme le frère l'a dit, demain nous nous retrouvons ici à 16h. Pour ceux qui suivront en ligne, ce sera à partir de 17h. Allons dans la paix du Seigneur et à demain. Shalom.